d'amour, on accueille tout de suite nos couples du jour. Il y a Jeanne et Rémi. C'est un couple tout neuf qui nous arrive de Bordeaux. Jennifer et Fernand. Schirmeck, c'est l'Alsace. Et puis Macali et Damien. Lucé, la Lorraine. Il anime les débats et réanime les ébats. Toujours animé par le plaisir, Bruno Guillon. Bonjour. Bienvenue sur France 2. Bienvenue sur le plateau des amours. On est parti pour 30 minutes. J'avais, depuis 24 heures, je n'avais qu'une hâte, c'était revenir ici. Ah ouais. Limite, je pourrais rester ici tout le temps. Du coup, vraiment. Bah, vous savez quoi, bien sûr, on va se serrer un peu. Magali, Damien, ça va bien? Ouais. C'est vrai que le premier rendez-vous, vous vous êtes pointé en sandales chaussettes, Damien? Oui, je reconnais, ouais, c'est ça. Je suis content que vous ayez opté pour une autre tenue ce matin. Oui, voilà, c'était... C'est plus télévisuel. On est d'accord. Vous êtes plus jolie à regarder, comme dirait ma mère. Oui. Bienvenue à vous deux. Merci. Bon. Regardez, non, l'applaudissement de Fernand. Non, Fernand, applaudissez pas, vous avez le droit. Regardez. Non, regardez. J'essaye quand même. Ça va, Fernand? Ça va très bien, merci. C'est, en fait, on a l'impression, c'est quoi? Vous avez le bras et la glacière dessous? Ou c'est ouais, quoi ouais, le truc fait, ouais. Il y a un thermos, il y a quelque chose? Il y a ce qu'il faut pour au cas où j'ai faim. Bah, ça se voit un peu, non? Bon, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Bon, vous avez ça un guérit petit, doucement, mais ça va. Un petit pépin de tendon, vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Non, moi, je voudrais qu'on revienne sur le mariage. Il paraît que Fernand vous a demandé plein de fois en mariage. Et vous, Jennifer, vous avez dit non quasiment à chaque fois. Bah oui, c'est, bah non, c'est parce que... Bah voilà, si. Après, pour moi, c'était voilà, ça fait des années qu'on est ensemble, donc, oui. Mais c'est pas que je voulais pas. Hein. Oui, mais enfin bon, vous le faisiez pas quand même. C'est vrai, je le faisais. Et puis un jour, une engueulade, et là, vous avez dit, bah du coup, c'est moi qui vais demander. Voilà. Et après, il a accepté tout de suite, heureusement. Bah, ça, eh ben, évidemment, c'est plus le temps qu'il attendait. Ah oui. Enfin, de là à se casser le bras volontairement pour que vous lui fassiez la demande, non, c'est. Je ferai tout pour elle. C'est beau. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Oh. Jeanne et Rémi. Vous aussi, on va un petit peu gratter le sujet, mais le coup de foudre a eu lieu au boulot. Oui. Et le premier soir... Ça a dérapé. Tac. C'est ça. Et oui, bah oui, mais enfin, Jeanne, c'est ça l'histoire. Et c'est ça l'histoire. Et c'est cette histoire qu'on va raconter, et celle des autres couples, car oui, c'est l'histoire des amours, c'est l'histoire de la vie. C'est parti, premièrement. Magali, vous êtes infirmière. Oui. Infirmière libérale. Non. D'accord. Infirmière au CHU à Nancy. Très bien. Dans la mucoviscidose adulte. Bon, eh bien, vous savez quoi, j'en profite pour saluer toutes les infirmières et les infirmiers. Jennifer, vous êtes pilote de ligne. C'est ça. En usine. C'est ça. Oui, parce que si on n'a pas le en usine. Oui, en usine. BNC non. À vos portes. Non, mais personne ne monte. Hein. Jeanne, vous êtes consultante en recrutement. Oui. Eh bien, mesdames, nous allons y aller avec votre première question. Être à la hauteur. À quelle occasion vous êtes-vous dit « Mon homme n'est pas à la hauteur », à la différence de ce que pouvait chanter Emmanuel Moir? Eh oui, petite... vous avez saisi la différence. Alors moi, je n'ai pas beaucoup de choses à lui reprocher, mais je pense à deux défauts en gros qu'il a. Ah oui, vous en avez trouvé deux quand même. Voilà, il y en a deux, mais qui sont assez courants. Il est tout le temps en retard et il ne m'aide pas du tout pour les tâches ménagères. D'accord. Voilà. Ah, le vilain. C'est assez compliqué. Alors. Et je pense que je vais opter quand même pour les tâches ménagères. Les tâches ménagères. Il cuisine pas, il fait pas le ménage. Il débarrasse la table après manger. Non. Non plus, d'accord. Et il fait le lit. Non plus. Non plus. Rien. Rien. Il ouvre les fenêtres pour aérer la chambre le matin. Oui, parce que c'est rapide. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Limite, oui. Donc il fait pas les tâches ménagères. Voilà. C'est pas son truc. Jennifer. Ben moi, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à reprocher, mais je vais partir sur quand nos enfants étaient petits. Mm-hmm. Maintenant, par rapport, pour changer les couches, en fait. Ah. Il le faisait, mais... Mais il n'y allait pas, c'était pas la fête, quoi. C'était pas, voilà. En même temps, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui font « Waouh, super, mais... je vais changer la couche de caca, j'adore ça, c'est ma grande passion !» C'est sûr. Oui. Mais bon, ouais, parce qu'après... Vous allez sur ça. Changer les couches. Combien d'enfants? Deux. Quel âge? 11 et 14. Et ils s'appellent? Théo et Tom. On les embrasse. Merci. Magali. Alors, je pense... On verra bien, mais je pense... c'était l'année dernière. On faisait la fête dans notre petit village, qui est très animé, à partir du mois de juin. Et il était fatigué.
Mmh. On rentre, on rentre pas. Bon, moi, je voulais pas rentrer. Mais bon, on est rentrés tous ensemble, tous les deux. Et en rentrant, il se met sur le canapé, il allume la télé. Et moi, j'étais dans la salle de bain, je me démaquille et j'arrive dans le salon et j'ai fait « Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, il me dit « Bah, je regarde la télé. » Alors que moi, je voulais rester. Et d'accord, oui, oui. Voilà. Il vous a fait rentrer, vous êtes rentré parce que vous pensiez qu'il était fatigué, qu'il allait dormir. En fait, il a regardé la télé. Voilà. J'ai suivi. Il ne m'aura, m'aura pas deux fois. Pas deux fois. Non. Très bien. Jennifer, imaginez, vous décrochez le job de vos rêves, mais aux surprises, vous découvrez que vous allez devoir partager le même bureau que l'ex de votre chérie actuelle. Voilà. Quelle est l'ambiance au bout d'une semaine de cohabitation ? C'est plutôt convivial, il vous arrive même de rigoler ensemble ? Ou alors c'est tendu, chacune retranchée derrière son écran ? Ou alors c'est la guerre ? Il a fallu déployer les forces d'intervention de la direction. C'est la guerre. C'est la guerre. Ah ouais. Ça se passe pas bien avec l'ex de Fernand ? Non. Du tout. Ben, généralement avec les ex. Ça dépend. Oui, ça dépend, mais. Bon, alors c'est vrai qu'historiquement dans cette émission, on est rarement sur une relation de copain-copine, mais pourquoi pas ? En tout cas, c'est la guerre. C'est la guerre. Adrien, Rayali. C'est tendu. C'est tendu. C'est pas la guerre, mais c'est tendu. T'es tendu, t'es tendu. Chacune retranchée derrière son écran. Ouais. Ça se passe comment avec l'ex de Damien ? Je la connais pas. Ouais. Jeanne, vous, ça fait pas très très longtemps, vous êtes ensemble, ça fait quoi, 7-8 mois ? Ouais, ça fait 7 mois qu'on est ensemble. Et on s'est rencontrés au travail. Ouais. Et du coup, moi, je suis partie de notre travail en commun parce qu'on ne pouvait pas travailler ensemble. Donc, vous ne vouliez pas travailler ensemble parce que vous étiez ensemble ou On ne voulait pas travailler sur le même bureau. D'accord. Et donc, je l'ai rejoint à Bordeaux. On habite tous les deux à Bordeaux depuis un mois et demi. D'accord. Et je suis assez jalouse. Uh-huh. Et lui, il a un passé. Il a eu quand même pas mal de copines. Ah, il a un passif même. Voilà. Alors. D'accord. Voilà. Plutôt séducteur. Uh-huh. Et je suis assez jalouse, donc je répondrai que c'est la guerre. C'est la guerre. Oui. Vous connaissez le prénom de son ex ? Oui, mais je n'ai pas du tout envie de la rencontrer, ni de savoir des choses sur elle. D'accord, très bien. Pas du tout. Eh bien, au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est clair. Troisième question, Magali. Oli, si parfois vous deviez dresser une contravention à votre chérie, ce serait pour quelle raison ? Refus d'obtempérer, il lui arrive d'être moyennement motivé. Ou alors, outrage à agent, il a parfois un langage très fleuri, je ne vous fais pas de dessin. Ou alors, excès de vitesse. Je ne vous fais pas de dessin non plus. Non, refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer. Mmh. Ah, des fois, il est moins motivé que vous. Oui. D'accord. Mais souvent ou Des fois. Des fois, très bien. Jeanne. Excès de vitesse. Bah, mais enfin, c'est l'énervement aussi, alors. C'est les débuts, mais ça fait 7 mois. Jennifer, refus d'obtempérer, outrage à agent ou excès de vitesse ? Moi, je dirais outrage à l'agent. Outrage à agent ? Ah, parfois, il a un langage un peu fleuri ? Oui. D'accord. Et ça vous, hein, c'est pas... Bah, ça dépend. Ça dépend des fois. Ça dépend, voilà, le contexte. D'accord. Plein de choses, quoi. On ne va pas rentrer dans les détails non. Et on va leur demander de revenir. Voilà. Allez, on fait ça. Damien, Magali, rencontre, vous fêtiez votre anniversaire dans un bar avec des copines. Elles ont chanté joyeux anniversaire, du coup Damien lui aussi. Oui. Et le lendemain, il vous envoyait un message en vous souhaitant joyeux anniversaire. Voilà. Je sais tout de vous. C'est ça, je vois bien. Mais comment vous avez chopé le numéro, Damien ? Je crois que j'avais un copain qui avait déjà commencé à te... M'aborder. Voilà. Et... On l'a coupé court. M'aborder, ouais, vas-y. Et donc, moi, j'ai cru qu'il avait, son numéro. Donc, je lui ai demandé gentiment, écoute, toi, je crois que tu n'es pas forcément très intéressé. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes son numéro. Donc... D'accord. Et alors, du coup, vous vous souvenez de qui il s'agissait ou pas ? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais. J'étais surprise, mais... Mais agréablement. Évidemment. Allez, première question, Damien. À quelle occasion s'est-elle dit « Mon homme, il n'est pas à la hauteur ». Il y a quelques mois. Une soirée organisée dans notre village.
Et c'est vrai qu'en fin de soirée, bon, il n'était pas très tard, il était quoi, 1h, 2h du matin, j'étais un peu fatigué, j'en ai un peu à la casquette. Mm. Je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien qu'on rentre. Et donc, je lui ai demandé, bah, écoute, moi, je ne veux pas que tu restes là, viens avec moi. Pourquoi ? Vous ne vouliez pas qu'elle reste là-bas ? Bah, je ne sais pas, je n'avais pas très envie qu'elle passe le restant de soirée sans moi, donc je lui ai dit, bah, écoute... Si elle a envie de s'amuser ? Oui, non, c'est pas très très bien, je le reconnais. Et puis bon, je lui ai demandé de m'accompagner à la maison, et donc elle est redescendue. Et puis là où je l'ai vraiment déçu, c'est quand je me suis mis devant la télé. J'aime bien, il me regarde comme un petit garçon, comme si j'allais le gronder. C'est vrai que c'était pas très gentleman. Ah, pas du tout, pas du Déjà, tout. Déjà, elle lui est obligée de rentrer alors qu'elle avait très envie de continuer à faire la fête. Ouais. Et de deux, plutôt que d'en profiter pour vous coucher tous les deux, vous allumez la télévision. Oui, on n'est pas sur du gentleman. Mais je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis là pour vous dire que c'était une bonne réponse. Oh, Fernand. Oui. Alors, vous avez oublié la question ? Ah non, 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 j'ai pas oublié. Non, non, vous regardez dans le blanc des yeux. Oui, je sais. C'est ouais. Mon charisme. Alors, j'hésite... Ben moi, en fait, c'est pas souvent... Enfin, je veux pas me la raconter, mais c'est pas souvent que je la déçois. Généralement, c'est moi qui organise les petits dîners romantiques et tout ça. Je suis vraiment quelqu'un de très romantique. Ben oui, ça vous coûte un bras, en plus. C'est vrai. C'est pas mal. Mais ça fait mal, hein, quand même. Mais voilà. Et en fait, il y a une fois où j'ai encore fait une demande de mariage. On était à une soirée à bowling avec des amis et puis je m'étais arrangé avec le gérant pour qu'on mette la photo sur l'écran parce que je suis dans le style, hein, la photo sur l'écran et tout. Et pendant qu'on jouait, je me suis dit, ben voilà, c'est le moment de lui faire la demande. J'avais tous les potes et elle était toute gênée, elle était pas bien. Et enfin, je pense que ouais. Je l'ai peut-être vous êtes en train de me dire que vous lui avez fait une demande en mariage avec des chaussures de bowling ? Ouais. Vous étonnez pas qu'elle dise non. Que les chaussures de clown pour une demande en mariage, c'est pas. Je sais. C'est pas le top. Bon, bref, Jennifer est pas partie là-dessus. Elle est partie. Ah, oui, toi, tu m'as déçu. C'est vrai. Là, c'est un truc où j'ai du mal. Mais oui. Ouais, c'est vrai que. Bah là, maintenant, vous pouvez prétexter. Ouais. Voilà. Ouais, je l'ai pas tout le temps. Hein. Oh, maintenant, ils sont grands. On fera plus troisième. Non, c'est je veux pas. Rémi. Oui. Alors, on s'est rencontrés donc, à une fameuse soirée dans le cadre du travail. Oui. Donc moi, au bureau de Bordeaux et elle à Toulouse. La première fois qu'elle est revenue me voir donc, après cette rencontre, après la fameuse soirée, donc, elle est venue sur Bordeaux, donc elle a fait l'effort de venir. Et je l'ai fait attendre plus de 3/4 d'heure, c'est ça, pour diverses raisons. Et je pense qu'à ce moment-là, elle a dû se dire si c'est comme ça le jour du mariage ou si c'est comme ça quand je le présente à mes parents, ça va être compliqué. Il ne sera pas vraiment à la hauteur. Ah. J'ai pensé à ça. Le retard. Jeanne. C'était l'autre. Eh oui. Eh ouais. J'hésitais entre les deux. Bah, il faut peut-être sortir le panneau. Ah oui, le carton, s'il vous plaît. Quelle déception, moi. Rien du tout, Rémi, il paraît. Rien de chez rien au niveau des tâches ménagères. Non, c'est pas vraiment mon truc. J'ai d'autres qualités, mais les tâches ménagères n'en font pas partie. Fernand, imaginez, Jennifer décroche le job de ses rêves, mais oh surprise, elle découvre qu'elle va devoir partager le même bureau que votre ex. Quelle est l'ambiance au bout d'une semaine de collaboration ? C'est plutôt convivial, il leur arrive même de rigoler ensemble. C'est tendu, chacune retranchée derrière son écran. Ou c'est la guerre, il a fallu déployer les forces d'intervention de la direction. Ah non, moi je pense que c'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Ouais, parce que là c'est juste pas possible. Hein. Là, oui, on avait cru comprendre. Hein. Juste comme elle est. Rémi. C'est clairement la guerre des tranchées là. La guerre des tranchées aussi. Allez là. Jeanne le carton, allez là. C'est bon ça. Damien. Bruno. Oui. Bah, il me faut une réponse. je pense que c'est la guerre. C'est la guerre, Magali. Ça va être la guerre. Bim. Bim. Elle nous a dit c'est tendu. Mmh. C'est tendu, mais ça va. Oui.
Oui, on va dire que voilà, c'est entre les deux, hein, c'est compliqué de fixer la limite du moment. Pas pourquoi qu'il arrive, elle n'est pas fan de la personne, hein, vous ne chauffez pas non plus. Hein. Troisième question, et c'est pour vous, Rémi. Au lit, si parfois votre chérie devait vous dresser une contravention, ce serait pour quelle raison ? Outrage à agent, vous avez parfois un langage un peu fleuri, ou bien refus d'obtempérer, il vous arrive d'être moyennement motivé. Okay. Ou alors excès de vitesse. Pour vous faire un dessin, vous avez compris. Je dirais plutôt la première. La première réponse, c'est-à-dire... Outrage à agent. Outrage à agent. Parce que vous avez un langage fleuri parfois. J'aime bien. D'accord. Non. Jeanne. Non. Ah. Excès de vitesse. J'ai hésité entre les deux. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Pas mal, je pense. On ne va pas se mentir, pas bien. Dommage. Ouais, moi, je l'ai pris dans un autre sens, mais OK. Ah. En gros, quand on avait... Fait vite. Bah oui. Dès le premier soir. Bah, rapidement. Ah, et que, ça me rassure. Bah, oui, oui, mais sauf que là... Alors, on n'a pas marqué les points, mais oui. Bon, ça me rassure. Mais oui, moi, c'était positif. Très belle pirouette, double salto. Exactement. Effectivement. Bah oui. Parce que quand j'ai posé les questions tout à l'heure, j'ai fait, je vais pas vous faire un dessin, vous avez fait, ouais. Il est, enfin bon. Damien. Refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, de temps en temps, elle a envie et pas vous. C'était couru d'avance. Évidemment. Enfin, on va pas dire de mensonge. Hein. Dernier, on se rattrape. Pourquoi vous voulez pas obtempérer, Damien? Parce qu'il faut savoir, de temps en temps, montrer son caractère. Non ? Mais il y a d'autres façons. Faut distiller le plaisir. Fernand ? Sans hésiter, outrage à Jean. Sans hésiter, en plus. Mais oui. Carrément. Bon, allez, 5 pour les rouges, 10 pour les jaunes et 15 pour les bleus. C'est le score. Avant de passer à vos questions, messieurs, on va parler des prochains castings des amours. Avec Pascal. Oui Bruno, nous irons chercher nos futurs couples au bord de la Méditerranée. D'abord à Toulon le 24 mai, ensuite Nice, la Baie des Anges, ce sera le 25 mai, et puis Angers et Dijon le 3 juin. Allez vous inscrire sur notre site pour le casting des amours, c'est France.tv. Damien, vous êtes agent SNCF à l'entretien des voies, c'est bien ça ? Bien ça. Fernand, vous êtes chariste en usine et surtout en repos forcé, là, pour l'instant. Ouais, malheureusement. Et Rémi, vous êtes consultant en recrutement. C'est ça. Un peu comme votre chérie, d'ailleurs, exactement. On le disait tout à l'heure, c'est grâce à ça que vous vous êtes rencontrés. Tout à fait. La première question, c'est pour vous, Rémi. À quel propos avez-vous tendance à mettre votre chérie sur un piédestal ? Alors... Ah. Gloire à Jeanne ! C'est ça. Alors, Jeanne, c'est quelqu'un qui a reçu une très bonne éducation. Et du coup, cette éducation lui permet d'avoir des valeurs, côté valeurs familiales. C'est quelqu'un de droit, de fidèle. Elle a beaucoup de valeurs très importantes. Et c'est vrai que je l'ai tout de suite décelé le premier soir. Et je me suis dit, pour quelque chose de, pour une relation à long terme, ça, c'est un critère qui est important. Et c'est tout, je l'ai tout de suite décelé dès le premier soir. Le premier soir, ils étaient à l'horizontale. Et Rémi, range, t'es pas trop quand même. Hein. C'est ça. Mais c'est bien joué, c'est bien joué. Bon. Moi, je l'apprends, l'histoire. Je l'apprends. Et là, les beaux-parents devant la télé, ils vont dire, oh, il est très bien. J'ai marqué des points. Lui, il est bien. J'espère qu'il va la demander en mariage. En tout cas, c'est noté. Ok. Fernand ? Ben, moi, avec tous mes petits soucis de santé que j'ai eus, elle a toujours été là. Ça a été mon infirmière, mon auxiliaire de vie. Franchement, elle m'a toujours soutenu. Et franchement, j'ai trouvé ça cool. Et sans elle, je pense que j'aurais peut-être pu partir en déprime. Mm. Mais elle était là. Et puis même pour la popote et tout. La popote ? Ouais. C'était cool. Parce qu'avec un bras, là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, généralement, je l'aide. Mais là, franchement, elle m'a soutenu totalement. C'est beau. Damien ? Alors, Magali, elle a un talent que j'apprécie particulièrement chez elle, c'est qu'elle est quelqu'un qui sait surprendre. Elle a cette capacité d'organiser les choses sans qu'on s'y attende. Toujours après 14 ans ? Ah oui. D'accord. Oui, oui. Donc, surprise, pas tant dans le couple, en fait. Ça peut être auprès des amis. Absolument, oui, oui, bien sûr. D'accord. C'est à n'importe quelle que soit l'occasion, le moment. C'est... OK. Ce côté créatif, le sens inné de la surprise. C'est bien ça. C'est noté. Fernand, deuxième question. Vous pourriez comparer une fille qui a régulièrement recours à la chirurgie esthétique à une voiture de sport. C'est jouissif de s'exposer avec.
Une voiture de collection, elle coûte cher à l'entretien. Ou une voiture d'occasion, ça peut lâcher n'importe où, n'importe quoi. Avant qu'on me dise quoi que ce soit, je rappelle que ce sont en général des femmes qui écrivent les questions des amours. Loin de moi l'idée de vouloir les comparer à une voiture. Non, une voiture d'occasion, ouais, parce que je suis pas trop fan de chirurgie esthétique. Je suis pas dans ce domaine-là. Je préfère la naturelle, enfin qu'elle soit naturelle. D'accord. Damien. Ah, une voiture de collection. Voiture de collection. De collection. Qui coûte cher à l'entretien. Rémi. Voiture d'occasion. Moi, j'aime le naturel. Voiture d'occasion, ça peut lâcher n'importe où, n'importe quand. C'est ça. Damien, la troisième question, vous le savez, c'est la question bonus. Elle vaudra 15 points tout à l'heure. Nu sous la douche dans un vestiaire de garçon, vous êtes du genre à parader, à vous cacher, à observer et comparer. Non, je vais me cacher. Un petit peu timide, Damien ? Voilà, j'ai pas trop envie de montrer mes attributs à n'importe qui. D'accord, mais je peux comprendre. Voilà. Rémi ? Moi, je vais parader. Je vais faire le pan. N'en dites pas plus. Vous paradez, très bien. On a l'image, la roue. Fernand ? La roue ? Non. Ouais, je vais parader. Moi, j'ai pas honte. Non, j'ai pas Vous peur. Allez parader. Ouais, moi, j'y vais. J'ai pas peur. Il a pas dit qu'il avait honte, non, Damien. Il a dit que. Ça. Voilà. Pas dit ça, clairement. Mais moi, je suis quelqu'un de. Voilà, de cash. Ouais, voilà, ouais, allez, hop. Direct. On déballe. Moi, bon, alors, vous savez quoi ? On va voir maintenant ce que vos chéris vont dire. C'est le moment où elle revient. Ouais. Magali, à quel propos, Damien, a-t-il tendance à vous mettre sur un piédestal ? Eh bien, je dirais la façon dont je gère tout le temps. Mm-hmm. Voilà. T'es les reines de la maison ? Ouais. Oui, enfin, après, je travaille, je suis conseillère municipale, je fais de la course à pied, puis le reste. Les enfants. Les enfants, le ménage, à manger. Ah. Mais il fait quoi, Damien, au milieu de tout rien. Ça ? Ah, rien, d'accord, très bien. Bon, Damien, il a répondu ça ou pas ? Faites voir votre carton. Et en plus de tout ça, vous organisez des surprises. Oui. Oui, c'est J'ai vrai. L'impression qu'on a la femme parfaite. Enfin, c'est vous surtout qui l'avez. Voilà, Kevin. Damien. Voilà, t'en es conscient ? Ben oui, je le sais. Jennifer. C'est mignon. Ben, je pense que moi qui l'ai répondu, ma bienveillance. Votre bienveillance ? Ouais, parce que ben, comparé à ce qui lui est arrivé, là, je suis aux petits soins pour lui. Ben, je l'aide à s'habiller. Enfin, vraiment, vu qu'il a un peu de mal. Je suis vraiment, après aux petits soins pour lui, je suis là s'il faut lui faire des soins, le changer, l'habiller, lui enlever ci, oh, vous le changez ça. Carrément. Oui. C'est un gros bébé. Bah, c'est un peu compliqué. C'est mon troisième enfant. Et c'est ça. Ouais. Pour la couche, par contre, ça doit être pas facile. Enfin, bon, bref. Fernand nous a parlé, évidemment, de votre soutien, votre bienveillance. Jeanne. Moi, je vais dire faire la cuisine. Pour la cuisine ? Oui, parce qu'il n'aime pas du tout cuisiner, donc il ne cuisine pas. Et du coup, ben, c'est vrai que moi, j'aime bien faire ça. C'est quand même un plaisir pour moi. Donc, je le fais naturellement. Et voilà, je pense D'accord. que ce serait ça. Le piédestal de la cuisine. Ah, non ! Il nous a fait une tirade sur le sens des valeurs que vos parents vous avez bien élevé, etc. Ça sent la demande en mariage d'ici quelques semaines. Il s'est bien placé auprès des beaux parents. Ah oui, ça je peux dire. Il s'est mis bien, comme on dit. Pas tout perdu en tout cas. Jennifer. Il est timide. Votre chéri pourrait comparer une fille qui a régulièrement recours à la chirurgie esthétique à une voiture d'occasion. Ça peut lâcher n'importe où, n'importe quand. Une voiture de sport, c'est jouissif de s'exposer avec. Une voiture de collection, elle coûte cher à l'entretien. La voiture d'occasion. Voiture d'occasion, ça peut lâcher n'importe où, n'importe quand. Je pense. Oui. C'est long. Alors, après ce vent de bisou qui est proche d'un courant d'air, on peut voir le ralenti. Regardez ce bisou de voile. Hop là.
Oh, oh, hey, il est douloureux, celui-ci. C'est horrible. Oui, celui-ci, il est douloureux. Jeanne, une voiture d'occasion, ça peut lâcher n'importe où, n'importe quand. Une voiture de sport, c'est jouissif de s'exposer avec. Une voiture de collection, ça coûte cher à l'entretien. La première réponse, mais je ne me rappelle plus ce que c'était du coup. Voiture d'occasion, ça peut lâcher n'importe où, n'importe quand. Ouais. Et là, c'est vraiment bien. Et là. Mayali. Ça coûte cher à l'entretien. Ça coûte cher à l'entretien. Ça, c'est la voiture de collection, Damien. Et c'est plus gros. Oh, mettez-la dans le sens. Voilà, c'est mieux. Ça nous donne au niveau des scores 10 points pour les rouges, 20 pour les bleus, 25 pour les jaunes. Avant la question bonus qui arrive juste après ce message de France 2. Jeanne, nue sous la douche dans un vestiaire de garçon. Mm-hmm. Rémi est du genre à se cacher, à observer et comparer ou à parader. À parader. Rémi. Je l'ai fait trop fort. Bien fait. Je sais pas trop, hein. Bah, il va me falloir une réponse. À se cacher, à parader ou à observer? Exactement. À se cacher. À se cacher, Damien. Jennifer, si vous avez la bonne réponse, vous allez sur le fauteuil de la finale. Pression? C'est la question. Ouais, pression. Je pense parader. Fernand. Vous êtes les amours du jour. Damien, Magali, Jeanne, Rémi, merci d'être venus sur le plateau des amours ce matin. Nous vous avons bien sûr réservé ces cadeaux. Regardez. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps. Idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Fernand, Jennifer, c'est parti pour votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Jennifer, Fernand connaît-il? Top, le genre de musique que vous préférez? Oui. Passe. Le métier que vous admirez le plus? Non. Votre taille en mètres et centimètres? Oui. 1,65. Elle a pris 3 cm. Le genre de film que vous détestez le plus? Oui. Horreur. Ce que vous mangez le plus souvent à midi? Oui. Des pâtes. La plus grosse somme que vous ayez gagnée au loto ou à un autre jeu? Non. Votre actrice préférée? Non. Le mois de l'année que vous préférez? Oui. Août. Votre ville préférée? Oui. Je passe. Les deux derniers chiffres de votre portable? Oui. 75. Le nom de jeune fille de votre mère? Oui. Aubry. L'âge que vous aviez à votre rencontre? Oui. 14. Votre pâtisserie préférée? Oui. La tarte aux pommes. Et ben voilà. Voici votre cadeau. Jennifer et Fernand, dans les Alpes du Sud, près du lac de Serre-Ponçon. Le club Les Horizons du Lac, groupe Vacances Bleues, vous offre un séjour 100% sport et bien-être dans un incroyable panorama. On va faire dans ce sens-là, du coup, à l'envers. Vous avez passé un bon moment? Super, c'est bon. Franchement, c'était cool. Merci à vous d'être venus. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'est votre rendez-vous. Vous êtes chez vous dans les amours. On revient très vite, tout de suite, c'est Nagui. Ciao. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours en allant sur notre site France.tv.